Bon, alors je m'excuse, le jeu a crashé et entre-temps j'ai installé le second écran. Comme ça, il n'y aura plus de problème de souris parce que sur deuxième écran, je l'ai déjà expliqué, donc c'est pas la peine que je rentre dans les détails. Je réduis cette fenêtre. Non, je suis même plus obligé hein, parce qu'en fait maintenant le Far Cry, normalement, si je me plante pas, ah non, il a repris sur le premier écran. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que alors attendez. En fait, j'ai remarqué que pendant les temps de chargement, quand il y a, vous savez, il y a l'image du niveau et la petite barre en bas qui avance, qui montre l'état d'avancement, eh bien, ma souris se balade. Je peux la faire balader n'importe où sur le bureau. En fait, elle sort de la fenêtre et comme une souris Windows classique, quoi. Alors, attendez, c'était sur carrière. Last. Oh, d'accord, je suis vraiment pas allé loin, quoi. Donc, ça va être dur. Il va falloir vraiment que je reprenne, en espérant que ça va pas bugger. En espérant que ça va pas trop loader le checkpoint trop vite. Parce que le temps que j'ai pour le transférer. Yes, c'est bon. Ça je mets ici. Ça je mets là. Voilà, c'est bon. Bon alors, je vais juste devoir tourner la tête, mais ça devrait le faire, je pense. Je pense. J'espère, je croise les doigts. Hop, on saute. Bon, alors ça me fait un peu bizarre parce que je suis obligé de tourner la tête. Parce qu'en fait, à la base, c'était pas prévu, donc j'ai rien préparé pour que ça soit le plus confortable possible. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de me sentir plus fort là, tout d'un coup. Alors que je suis sûr que je vais me faire déglinguer la tronche. Alors là, on peut attendre un petit peu. Il en manque plus qu'un. C'est le stress. J'en ai eu 4, c'est bon. Ouf. Non, il faut faire toujours le décompte à la fin. Si vous avez déjà fait le jeu, il faut connaître le nombre de mercenaires par cœur. Hein, parce que c'est pas parce que vous avez dégommé et qu'il n'y a plus personne qui vous fonce dessus que vous avez tué tout le monde. Ça, on le sait bien. Allez hop, on va pas monter en haut. On va pas risquer notre vie bêtement. Ah, je l'ai vu là-bas. J'ai vu sa petite tête. Je déteste cette salle. Donc là, normalement. C'est bon. Ouh! Non, c'est bon. Moi, j'ai l'impression que c'est bon. Les autres mercenaires vont pas se la ramener. Juste me foutre ici au cas où. 2 secondes pour me gratter la main. Hop. Allons-y. On espère un jeu que le jeu va pas cracher parce qu'il a déjà craché une fois ici. Faudrait pas que ça se répète 2 fois. Deux headshots à la suite, ça va être. Alors ça, c'est ce genre de truc qui me font toujours bien marrer. Je vais tirer une balle dans la tête, ça lui a rien fait. Enfin, ça lui a rien fait. Si, il a pris des dégâts, mais disons que normalement, une balle dans la tête, ça suffit largement, hein, que vous soyez boss ou pas boss, enfin, ou fort. Fort. Oula. Moi, j'ai un truc bizarre sur mon PC. Les chargements des textures est un peu étrange. Je sais pas pourquoi. Bon. Allez, ça va. Je sais pas. En fait, c'est au niveau des portes, j'ai l'impression que quand je passe ma vite. Ma vite. ma tête trop vite. Et moi, je pense trop vite, en fait. Eh bien, il y a comme un effet de floutage, comme si le frame rate, le rafraîchissement n'était pas trop, pas assez rapide, en fait. Tâchez d'avancer rapidement parce que ici le jeu a déjà bugué une fois et en fait plus d'une fois il a bugué à cet endroit donc vaudrait mieux pas que je traîne trop longtemps. J'aime bien, maintenant c'est on va se battre contre les bugs sont encore plus dangereux que les mercenaires.
Je t'ai vu. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se ramener? Yep, il semblerait pas. Bon alors, dans la première fois où j'étais allé aussi loin, je suis allé encore un petit peu plus loin. Et merde, ça marchera pas. Parce qu'en fait, je voulais les surprendre. Là, ça a fait un boom. Ah, une boom! Personne? Non, 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 moi je me ferai pas voir. Hein. Je sais qu'il y en a encore un. Non, il est pas là. Voilà. Je lis dans des boules de cristal. Et je peux lire aussi dans tes boules génitales. Ouais, et en plus ça rime. C'est cool ça. Hop. Hop. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est efficace. Ça me rappelle un moment dans la série Le corps a ses raisons. Sortez-moi! La nouvelle O... comment est-ce qu'on appelle ça là? Oh putain, j'ai eu de la chance. Normalement, je serais mort. Hein. Juste pour vous dire. Il y en a un qui va se ramener, j'en suis sûr. Eau de toilette. Sautez-moi! En fait, les gars qui sont sur les toits, ils sont scriptés pour pas avoir trop de vie. Parce que sinon, c'est complètement relou d'essayer de les descendre. Recharge vite! Putain! Je l'ai eu! Ouais, normalement, en fait, je suis pas sûr que ça. Juste vérifier qu'il y ait personne. Non, c'est un. Non, je déteste les surprises parce que généralement elles sont mauvaises. Putain, elle est pas mort! Ouais, j'ai eu, je l'ai eu. Et merde! Bon. Heureusement, il y a moyen de remonter tout cela. Toi, je vais t'avoir. Bouge pas. Non. Putain. Voilà. Ça t'apprendra à essayer de se foutre de te foutre de notre gueule. Youpi. Hop, on prend la munition. On recharge tout ça. Et on balance une grenade. Enfin, attendez, j'ai. Très mal visé. Putain! Voilà, ça c'est très bien visé par contre. Plouf! Il va prendre un petit bain. Il se sent trop sale, c'est pour ça. Hop! Alors là, on peut tout de même pas se barrer parce qu'en fait, il faut passer par la cabine. Il faut vraiment que je réfléchisse moins vite. Il faut que je passe par la cabine et que je vois cette cinématique en fait. Et seulement ensuite, je peux prendre le bateau. Donc, en gros, je pourrais faire le chemin inverse, passer par la flotte, etc. Et blablabla et blablabla. Hop, on saute les cinématiques, ça a tendance à faire tout bugger. Et ensuite, vous allez voir, on va un petit peu s'amuser. Hein.
Soyons fous. Merde. J'ai mal balancé. En fait, j'ai balancé et puis là, elle a fait un ricochet contre les tables. Donc en gros, ils ont été protégés par les tables. Alors c'est vraiment pas facile de dire toutes ces conneries en regardant à gauche, à droite. Enfin, à gauche, parce que moi, l'écran, je l'ai pas là normalement où je devrais. Alors on va essayer une technique de dernière minute. Je vais tenter le truc, hein. C'est pas dit que ça marche, mais bon, on va essayer de faire ça comme ça. Bon, préparez-vous à ce que je crève maintenant et que je vous balance la zik tout de suite. Hein. Je vous fais mes adieux, hein. Si je survis pas à l'hélico, c'est pas la peine, je ne survivrai pas au reste. Hein. Je suis con, okay, pourquoi je dis ça? Effectivement, c'est quelqu'un de mort, on ne risque pas de survivre. Et voilà. C'est ce que je disais, avoir le clavier sur les genoux, la souris sur la table, ça c'est partout, bref, c'est bordélique. Je tâcherai d'être un peu plus organisé, comme dit à chaque fois, il y a toujours une merde qui fait tout foirer. Bon, c'est pas grave, je vais mettre de la zik à la fin, de la bonne zik, ouais, de la bonne zik. Et j'espère vous retrouver pour une autre vidéo, dimanche prochain. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir. Je quitte le jeu d'abord quand même. Hop. Bon bah là je vous dis vraiment salut. Salute.